1, 1, 2, 2, 3. 3. Chargé à fond. Oh! Oh, ça tremble! Qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est quoi ce son? Tu es bloqué? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis dans le ciel? Ah, C'est quoi ça? Ah, Nev, il Oh a lâché putain! le game carrément là. Oh putain! Ah ouais? Je suis pas mort! Oh, c'est Préféré. J'étais déconnecté, mais ça va, il a Oui, moi crash. aussi, il a craché sur moi aussi. Salut à tous, mon nom est Rocky26 et on se retrouve pour le deuxième épisode. Alors j'ai bien avancé, je vous expliquerai ça. Attendez, je vais répondre juste à Cortogogo dans le dossier. Hop, avec deux S. Voilà, c'est aussi ça un petit peu les aléas du serveur. Bon, les aléas, non, c'est très très sympa de les aider. Alors vous voyez, j'ai beaucoup avancé. Alors par quoi commencer? Tout d'abord, j'ai fait une culture de fleurs. On verra ça tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. C'est pas parce que ça fait beau, c'est juste parce que c'est super pratique. Vous verrez. Une culture de carottes de chocobo. Comme ça, on pourra en faire ça couplé. Mais ça, on verra pas ça dans cet épisode-là. Même pas le prochain épisode, parce que j'ai d'autres trucs de prévu. J'ai tellement de trucs de prévu. Et la grosse nouveauté, c'est ça. Donc, ça va être ma base. En fait, je vous ai dit dans l'épisode passé que j'aurais aimé m'installer dans le Nether finalement. Dans le Nether, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal d'aléas, notamment qu'il n'y avait pas de minerais, qu'il y avait des ghasts, et je me suis dit, bah, je vais recréer cette ambiance un peu d'enfer, hein, oui, d'enfer, c'est le cas de le dire, et j'ai créé ça. C'est plutôt beau, enfin, moi je suis plutôt content de moi. Alors je sais pas encore totalement fini, hein, vous voyez, là je vais encore mettre plein de netherrack, j'ai fait un petit peu les murs, mais ce sera un petit peu cette ambiance. Alors, autre chose, vous voyez que j'ai des armures et tout ça. Je vais vous expliquer c'est dû à quoi. Alors en fait, sur le serveur, on a un mod qui s'appelle J'aime Plus et qui rajoute deux nouveaux minerais. Donc là, on en voit quelques-uns. Là, je passe dessus avec la souris. Et j'ai réussi à me faire justement une armure comme ça. Alors, et le torse, ça vient d'une météorite en fait. Donc, enfin, des pierres de météorite plutôt que j'ai trouvées sous le sol. Donc, dans la mine opti, hop, que je vous montre. Pas me casser la figure non plus. Voilà, j'ai miné un peu ce tunnel là, puis mes compères ont miné un peu par là. J'aurais prêté ma mine, hein, parce que c'est super sympa. J'ai fait de belles rencontres, notamment avec Asden et Dark, à qui j'ai parlé des heures hier soir. J'ai parlé jusqu'à 4h30 du matin, et vraiment, enfin, et Nevlor aussi. Enfin, il y en a plein, même tous les gens du serveur sont vraiment géniaux. C'est vraiment, je m'attendais vraiment pas à une si bonne ambiance. Je suis vraiment super content et super fier de moi et d'eux. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'aurais aimé aborder plein de modes seulement. On peut pas tout faire en un seul épisode, c'est juste impossible, on a tellement. Je vais m'aborder un mode que je connais pas trop, qui s'appelle Equivalent Exchange. Et pour ça, en fait, j'ai. Hop, excusez-moi, j'ai la gorge enrouée. Pour ça, j'ai récupéré des shards of minium. Alors, comment je les ai récupérés? Je les ai récupérés tout simplement en tuant des monstres. Et des fois, en fait, ils en droppaient. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu avoir ceci. Alors, attendez, que je me rappelle du craft. Voilà, il nous faut d'abord inert stone. Donc, il nous faut de l'or, de l'iron. Est-ce que j'ai de l'or? Je crois que j'ai pas d'or. Je vais demander à Neve. Non, moi je la coupe pas, attendez. Ok, donc Nev qui nous fait des frères, donc Nev c'est Nathan. Alors, je vais lui demander s'il a de l'or. Sait-on jamais. Hop. Je crois pas qu'il ait miné beaucoup non plus. Faudrait que je passe faire. Bah, voilà, on va faire un rituel.
Ah bah non, là, on n'a pas. On va faire un rituel. C'est qu'à chaque fin d'épisode, j'ai revisité un petit peu la base des autres pour que vous voyez un petit peu leur avancée. Et je pense que ça peut être plutôt sympa. Puis en plus, vous verrez un petit peu la base des autres. Alors, j'ai pas encore reçu vos retours. Mais parce que je tourne ça le lendemain, plus le lendemain de l'ouverture du serveur, j'ai vraiment joué beaucoup dessus. Et j'ai pas encore eu vos retours, mais on les aura plus tard, c'est pas grave. Alors, je crois que je vais vous laisser là 2 secondes. Je vais aller miner un peu d'or, trouver un peu d'or surtout. Et on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Mais j'ai trouvé ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la météorite. Donc, c'est grâce à ça que j'ai fait ce torse-là. Regardez, en fait, dès qu'on le mine, on obtient des. Comment ça s'appelle ça? Voilà, ici, des meteor ships. Et en fait, grâce à ces meteor ships, on peut faire des armures, on peut faire des détecteurs de météorites, on peut faire pas mal de choses. Et cette armure, elle est, enfin, ce torse plutôt, il est enchanté magnétisation 1. Alors, magnétisation 1, c'est en fait, si je jette un objet, il va, regarde, si je jette ça par exemple, il va me suivre, vous voyez? Mais plus que d'habitude, quoi, c'est ça que je veux dire. Et un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est ça. C'est mon arc, mon grand arc. Alors, vous voyez peut-être pas forcément, vous voyez en miniature de l'épisode 1, peut-être de l'épisode 2, je sais pas encore. Il est très facile à crafter. Ouais, juste comme ça. Et puis il marche plutôt bien, donc voilà. Hop. Il a relève the game. Je crois qu'il a toujours pas réussi à installer son autre item, Corto. On ira l'aider tout à l'heure. Mais on se retrouve encore un peu plus tard, une fois que j'ai trouvé de l'or. À tout de suite. Re tout le monde. On va chez Corto, parce qu'apparemment Corto a des minerais d'or à donner. Je lui ai demandé tout à l'heure. Alors, je vais en piquer. Ouh! Il y a beaucoup de minerais. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Je vais laisser tranquille. Hop. Alors, même si vous voyez de temps en temps l'IP, sachez que le serveur est whitelisté. Ça sert à rien d'essayer de se connecter. Et qu'en plus de ça, vous arriverez sûrement pas parce que vous aurez pas les bons mods ou pas les bonnes configs. Parce que j'ai changé les idées des trucs afin de pas avoir de problème. Donc c'est même pas la peine d'essayer, je veux dire. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et aussi, ah oh, punaise. J'allais dire, si je vais un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je sais que ça peut paraître un peu nouveau pour vous, tous ces mods, tous ces trucs. Je sais que ça peut peut-être aller un peu trop vite pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires stop, ralenti, souffle ou. Enfin, je sais pas, n'hésitez pas, hein. Surtout, je serai pas vexé pour autant. Sachez-le. Hop, alors on va faire qu'un peu de stone. En fait, il nous en faut que 1, 2, 3, 4. 4, j'ai dit. Voilà. Du fer, du fer, du fer. On en a pas pris. On va ranger un peu notre inventaire parce que c'est full, full, full. Même les coffres commencent à être full. C'est le bordel. Faudrait que je m'organise. Je vais faire une salle des coffres un peu plus opti. Plus tard. Du fer, je crois que je l'ai mis dans mon backpack. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, les backpacks aussi, justement, comment on les craft? Tout simplement avec du cuir, comme ça, comme un coffre de cuir. C'est tout simplement un backpack. Alors, 3, et le dernier qui arrive. Voilà. Attendez, je connais déjà plus la recette. Zut. Hop, donc il faut 4. En fait, il fallait qu'un lingot d'or. Je vais aller redonner les restes à Corto, alors, c'est pas grave. Je crois qu'il m'en fallait 4. J'ai rangé tout ça ici. Alors, il en faut qu'en fait un, puis les quatre. Alors, vous voyez à quoi ça va servir ce truc? Ça va être vachement pratique. Alors, attendez, je crois que je me suis gouré, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Hop. Hop. Et hop. Une insert stone. Et là, on va l'entourer de notre shard of minium. Voilà. Uf. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien, on va pouvoir faire à peu près tous les crafts du jeu. Alors regardez, regardez-moi juste ça. Par exemple, on peut faire avec de l'or, on peut faire du diamant, par exemple, avec un lingot de fer, on peut faire des golds. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis vice versa. Hein. Alors avec du fer, on peut faire une ender pearl. Mais pourquoi tu m'attaques pas, toi? J'ai pas bien éclairé ici. Alors, on est sur une petite presqu'île, hein. Enfin, pas une presqu'île, mais une sorte de petite île. Enfin, on est vraiment bien placé sur
sur la carte. Enfin, on a vraiment trouvé un beau petit endroit, je trouve. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je disais. Donc avec ça me servir à... C'est quoi ça? C'est trop génial! On peut transformer des trucs comme ça. Oh, c'est excellent. Bon, alors ça marche pas avec tous les items, forcément. Mais c'est excellent! Et bah ça alors? Bon, ça nous réserve de grandes surprises, dis donc. On peut faire des slime crystal. Quoi, ça peut nous servir, ça? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement bien. Par du charbon. Par plein de trucs. Native Iron Cluster. Et j'ai encore plein de trucs à découvrir. Hein. Même moi, je connais pas tous les modes, sérieusement. C'est juste génial. Alors, donc, ça, c'est notre première chose, voilà. On va essayer de faire ça. Donc, il nous faut du charcoal. On va faire cuire du bois. Est-ce qu'on en a encore du bois? Je sais que je suis souvent à la ramasse au niveau bois. C'est l'horreur, hein, le bois. Toujours la flemme d'aller en chercher en fait, tout simplement. Voilà, ici le bois. Donc, faire cuire ça. Dans le prochain épisode, les amis, mince, c'est pas du bois normal. Je ne serai sûrement pas tout seul. Je serai sûrement accompagné de personnes pour aller faire des donjons et des choses. Enfin, ça va plus être basé sur le multi dans le prochain épisode. Là, je me base un peu plus sur les mods. Pour pas que je vous largue quand même au niveau mod, parce que il y en a vraiment tellement que. Ça irait vite. J'ai pas de bois, c'est problématique. Le jour se lève. Je vais aller en prendre un par là. Bah, je reviens. Je fais une petite ellipse le temps d'avoir un charcoal. À tout de suite. Regardez les amis, j'ai trouvé un truc assez intéressant avec le truc qu'on vient de crafter. C'est que là, on a du bois clair. Donc sur un bois clair, dès qu'on clique, boum, du bois foncé. Et là, boum, du bois super clair. Oui, c'est vraiment. Ah, par contre, on va pas aller plus loin que le bois de la jungle. Mais c'est vraiment super. Je m'attendais pas à ça, à vrai dire. Par contre, là, ça clignote. Ah, je vais peut-être pas mettre que ça clignote parce que ça fait mal aux yeux. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Oh, regardez. On a trouvé une bête des mers. Voilà, tu es. Attendez, parce que là, je suis full, c'est pas grave. Comme j'ai le magnétisme, ça va continuer à tourner autour de moi en théorie. Exactement où c'est? Non? Bon, c'est pas grave, ça a disparu. Mais c'est pas rare, j'en ai déjà vu dans le serveur, donc c'est pas très rare. Charcoal. Voilà, on va pas se perdre. Charcoal. Et mince, j'ai déjà perdu le craft que je voulais faire. C'était une sorte de faucheuse, enfin pas de faucheuse, mais de... Ah zut, j'ai perdu le nom. Attendez, c'était ici quelque part, voilà ici. Donc, est-ce que j'ai assez de citrine tout d'abord? Oui, j'ai assez de citrine. Alors, la citrine, c'est un minerai, hein, qui est assez fréquent, faut le dire. Alors, que je me rappelle, donc c'est comme ça, et de la citrine. Et alors, je sais pas pourquoi il y en a 7, mais et je sais pas pourquoi ça s'appelle citrine dust, parce que ça a pas le même skin du tout. Mais regardez, c'est juste épique. D'ailleurs, je vais faire un screenshot pour la miniature. Attendez, je vais d'abord poser ça dans mon coffre. Oh, en F5, oh, je suis arrivé. On va poser ça, ça et ça par exemple. Et on va faire une miniature. Ah, oh, ça fait tellement stylé avec le. Avec le. Comment? Avec ça là, le truc derrière. Hop, on va faire un screenshot. Attention. Boum! Et voilà! C'est la miniature. C'est totalement inutile. Je vous l'accorde. Mais ça va tellement bien dans le RP. Et je crois que c'est un bug de texture aussi. Enfin, un bug d'idée ou quelque chose comme ça. Parce que la citrine dust, c'est pas ça normal. Mais bon, on en profite. On en profite.
On peut même faire du garnet dust avec la bone, de l'obsidienne. Malheureusement, je sais pas ce qu'il faut, je vais pas aller repiquer Shkorto, d'autant que je lui dois déjà les 3 d'or que j'irai lui remettre en fin d'épisode. J'aurais aimé aborder un autre mode avec vous aujourd'hui. C'est Tinker Construct. Tinker Construct, vous connaissez peut-être déjà. Il me semble qu'il est intégré dans le mode feed de Patrick, enfin dans le mode pack feed de Patrick. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui suivent de gros youtubeurs tels que les Patrick, par exemple. Ensuite, il me semblait que j'avais récupéré des tables maintenant. C'est pas possible ça. Parce que je m'embrouille les pinceaux dans ces coffres. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu, vous êtes occupé de me crier que ce soit là, que c'est dans ce coffre-là. Alors qu'en réalité, moi je suis un peu aveugle. Bon, faut vraiment que je m'organise. Alors j'ai encore deux backpacks. J'ai tellement de cuir. Ah voilà, ils sont là, regardez. J'aurais pu encore chercher longtemps. On va mettre ça là. Hop. Et on va poser ça ici pour le moment parce que j'attends d'avoir fini ma cave avant de l'aménager totalement. Alors on va mettre ça ici, ça ici, ça ici. Alors j'ai déjà utilisé le mode donc je sais à peu près comment il marche. Alors tout d'abord il nous faut des blanks. Voilà, ici ça, des blanks patterns. Donc il nous faut juste deux bois et deux sticks. Hop. Deux bois de stick. J'ai rangé du bois ici. Voilà. Alors, je vous montre juste comment on fait. Je vais pas le faire moi parce que c'est. Oh, quoi que si. Allez, soyons fous parce que j'ai déjà des patterns en fait. On va pouvoir créer ça. J'en ai déjà, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche après tout. Ici. Alors, d'abord le crafter, sinon ça marchera moins bien d'office. Voilà. Hop, on le met ici. Et là en fait. Choisir le pattern. En fait, ce sont des sortes de moules. Je crois qu'on peut vraiment appeler ça comme ça. Alors, il y en a aussi en or. Je sais pas. Je crois que ce soit. Je crois qu'il y en a en plusieurs matières des trucs comme ça. Il faudrait que je me renseigne. C'est. Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Ça se trouve, j'ai des grosses conneries. J'ai pas trop envie. C'est Tinker Construct. Donc, attendez. Oui. Non. Voilà. Tinker Construct. Tinker Construct. Ouais, il y en a des en or. Enfin, je sais pas si c'est de l'or réellement. Du blank cast. À mon avis, comme on est dans le mauvais menu, on peut pas voir ça. Mais donc, vous voyez, on peut faire vraiment plein, 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 plein de trucs. On va faire ça par exemple. On le prend et voilà, on a un moule. Alors après, on peut stocker tous nos patterns ici. C'est un pattern chest. Alors, je sais pas ce que ça change. Je sais pas ce qui change réellement du chest normal ici par exemple. Mais bon, parfois, pourquoi pas. Alors, je vais ranger un peu, je vais me vider un petit peu ici, sans arrière-pensée aucune. L'or, je vais le garder, sinon j'ai oublié de le rendre. Ça, et voilà. On peut prendre à peu près tout ça. Alors, on pourra se faire pas mal de trucs, notamment, il me semble, des baguettes magiques. Et je suis presque sûr qu'on puisse faire des arcs. Des autres arcs encore. Hop, alors on va planquer tout ça là-dedans. Pif, pif, pif. Voilà. Alors un petit peu de rangement hein, avant de s'attaquer au mode. Voilà. Est-ce qu'ils sont encore là, mes compères? Eh bien sûr qu'ils sont encore là. Alors, faut savoir que y a des heures où est-ce que les youtubeurs se connectent le plus. C'est souvent dans l'après-midi. Alors là, faut savoir qu'on est les 2 heures. Donc notamment, il n'y a pas souvent grand monde. Enfin, on est souvent 3 ou 4. Et après, il y a un pic vraiment vers 4-5 heures. Et puis le soir, ça se calme aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Hein. Je vous donne un peu les actualités du serveur, quoi. Donc, attendez, que je me rappelle. Il faut après mettre. C'est ça. Il faut qu'on mette 3. En fait, une arme se constitue de 3 parties d'armes. Alors, j'ai quelques parties d'armes ici. Quelque part ici, bronze, obsidienne, papier, stone et flint. Alors, flint, stone et papier, pas besoin. Par contre, l'obsidienne peut être intéressant. On va essayer de se faire une épée, même si j'en ai déjà une là. Hein, c'est juste pour vous montrer encore une fois. On va peut-être même la faire. Allez, on a un peu du diamant, donc on est un peu fou. Attendez, une épée, qu'est-ce qu'il nous faut? On va se faire une longue épée. Soyons fous, soyons dingues. Plutôt un.
Attends, c'est quoi, c'est une longue épée, ça c'est... Plutôt une longue épée comme... Non, attendez. Ah zut. On va faire une épée normale parce qu'on a déjà une obsidienne wide guard. Est-ce qu'elle reste? Oui, elle est restée, donc ça c'est bien. Alors il nous faut une lame. Faut pas qu'on se faille, hein. Faut pas qu'on se faille, alors il nous faut une lame. Alors, une lame, c'est ça je suppose. Knife blade, sword blade plutôt. Voilà, et il nous faut quoi encore? Il nous faut un stick, enfin, quelque chose. Knife, shield, wide, chisel, knife, knife. Je sais pas lequel prendre. Je fais une petite ellipse, je vais aller regarder un peu lequel je peux prendre, et on se retrouve un petit peu encore plus tard. Bon, à mon avis, ça doit être ça. J'ai rien vu d'autre, j'espère que ce sera ça. Alors, donc maintenant il faut qu'on fasse les. Voilà, ceci. Hop, on va mettre un diamant. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y en a pas en diamant, en or. C'est un fail. Avec quel matériel on peut faire ce genre de truc? Voyons voir. Mode Tinker Construct. Alors je découvre les modes en même temps que vous, hein, encore une fois. Je suis désolé, je connais pas tout sur tout. Et c'est totalement normal. Du cobalt, du slime, de la netherrack. Netherrack, ça j'en ai plein de la netherrack. J'en avais plein du moins. Bon ok, j'en ai pas tellement que ça, mais j'en ai quand même. Alors. Voyons voir si avec la Nézara ça pourrait fonctionner. Exact. Est-ce qu'on peut faire des boucles de redstone? Bah ouais, pourquoi pas. Hop là, la majuscule. S'il vous plaît. Donc on a reçu, voilà, un Nézara rod. Et il nous faut une sword, lame, une lame de sword, voilà. Est-ce que ça va fonctionner avec l'obsidienne? Je ne sais pas. C'est un grand mystère même pour moi. Voyons voir, alors. Et ben voilà, on a un broadsword. Donc voilà, tout ça pour ça. Je sais pas vraiment si elle est efficace, mais en tout cas, elle est plutôt stylée. Puis elle va tellement bien avec le RP, encore une fois. Le RP un petit peu démon, le truc un peu cool. Donc voilà, j'aimerais vraiment aborder plein de modes. J'explique encore pour les potions. Le dropper, les dun et les dispenser, les fées éclatées. Voilà. Excusez-moi pour le Skype. Ah, c'est embêtant. J'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. En plus, j'y ai pensé. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, on a notre arc. Alors ça marche avec pas mal de trucs et apparemment ça marcherait aussi. Bah voilà, il y a des arcs. Bah voilà ici, hein. Il y a des baguettes magiques, il y a des. Oh, il y a tellement de trucs, c'est tellement bien. Franchement, on va s'éclater. C'est quoi ça m'attaque? Hatchet. Oh ouais, ça va être vraiment génial. Puis je vous dis les amis, allez voir sur la chaîne de. Je crois il y a AZN et Dark qui ont commencé. Enfin, ils ont déjà fait l'annonce en tout cas. Je crois qu'ils vont pas tarder à commencer. Il y a Ufto qui a commencé aussi, je crois. Et il y a peut-être Corto qui a commencé aussi. Donc allez voir vraiment les chaînes de tout le monde. Hein. De toute façon, le PDF est dans la description. N'hésitez pas à passer voir. Dans le prochain épisode, j'aborderai les potions avec les fleurs. Et je vous dis les amis, sur ce, portez-vous bien. À la prochaine, et on fera sûrement du multi aussi dans le prochain épisode. À plus.